L'échauffement, ça permet de sentir son corps. Ça permet de mettre, on va dire, un peu tes muscles déjà en tension. Tu commences à les échauffer, tu commences à préparer à ton sport. C'est vraiment dans le but de parer tout ce qui est blessure et puis surtout de rentrer dans une routine. Un peu une petite préparation. Voilà, moi j'ai mon arc, je vais aller m'entraîner. Comme quand je suis en compétition, je vais avoir mes séries de flèches à faire, mes flèches à mettre au milieu. Et en fait, l'entraînement, c'est vraiment le début. Donc là, j'ai une gestuelle vraiment qui est la même que si j'avais mon arc et mes flèches, mais avec une puissance un peu plus faible, et ça permet de tranquillement réveiller tout ce qu'il y a à réveiller dans mes épaules, dans ma tête, psychologiquement, voilà, pour me préparer vraiment à ce que je vais aller faire dans un quart d'heure dehors. Sur le berger, je sais. T'as le même ressenti là, sur le placement de l'épaule ou pas? Oui. Entre 5 mètres et 70. Oui, je place pareil. C'est après quand ça travaille. Et tu remets la visée en plus, c'est là que ça bouge un peu. Marc, il n'y a pas de cible là. Le tir à l'arc, c'est pas tiré sur une cible. Pas que. C'est d'abord le geste. Donc après son échauffement, là, il tire toujours un peu quelques flèches sur paille pour mettre du mouvement, être vraiment sur lui, sur ce qu'il a à faire, et puis surtout mettre de la fluidité, du relâchement dans le geste. C'est aussi l'occasion de prendre en compte les sensations du jour, qui ne sont pas forcément identiques. Donc voilà, c'est bien ressentir les choses, et pour ça, on évite de mettre une cible pour que tout de suite on soit focalisé sur le résultat. Parce que là ça a l'air assez facile, c'est plus naturel. Le problème c'est qu'à 70 il faut le lever le bras. Mettre un peu plus haut. Vraiment que tu arrives à avoir sur cible, c'est cette fluidité. C'est peut-être trop séquencé aussi, ce que tu fais. Tu
tu vois, sur la cible. Tu veux trop être vraiment bien là, 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 là. Là, il y a beaucoup plus de fluidité, de rondeur dans le geste. Et il faut y arriver, comme tu le dis, en coordonnant avec le viseur. Les cibles sont à combien, Marc ? 70 mètres, la distance olympique. Et puis le centre de la cible, là, ça fait 12 cm, c'est la taille d'un CD. Voilà, il faut essayer de toucher ça un maximum de fois. Là, les premières volées, toi, c'est toujours un peu compliqué. Un peu, pas catastrophique, mais c'est le temps de continuer à tout se mettre en place. Et puis voilà, aujourd'hui, par rapport à hier, il y a énormément de vent qui pousse vers la gauche. Et puis, donc toutes mes flèches, là, les trois flèches que j'ai tirées, sont parties à gauche. C'est pour ça qu'on a ça, là, les longues vues, ce qui permet, on va dire, de voir où elles sont. Puis après, d'ajuster mon viseur pour que mes flèches retournent un peu trop mieux. Que le vent physiquement, là aujourd'hui, ça influence pas, on verrait pas à la caméra mon arc ou moi qui bouge comme s'il y avait énormément de vent puis que ça me déstabilisait. Mais il influence énormément sur le vol des flèches. Donc, tout ça, ça fait partie de l'entraînement. Arriver à anticiper ça, à estimer la force du vent qui peut être différente d'une flèche à l'autre. Donc en fonction de ça, on est obligé de viser un peu différemment sur la cible. Et tout ça, on le travaille au quotidien en se mettant en situation comme on compète. Ce geste que tu répètes, Jean-Charles, c'est combien de gestes par jour, combien de flèches par jour, par semaine ? En moyenne, c'est ça. Je fais 300 par jour, du lundi au vendredi, et après, les week-ends, en fonction des compètes. Une compète, ça ne retire pas énormément de flèches, mais c'est très intense. Compète avec les duels, en général, ça nous fait une synthèse de 120-130 flèches. Et 120-130 flèches où on est à 100% dessus physiquement et mentalement, et ben, c'est comme si à l'entraînement, on en avait tiré 1000. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne toutes les semaines à faire des volumes de plus de 1000-1500 flèches par semaine, dans le but que voilà, on va arriver un week-end, un dimanche, où il y a une compète, où j'ai 130 flèches à faire, qualification plus les matchs après. Et voilà, le fait que je me suis entraîné toute la semaine et que j'ai mis 1000 flèches en intensité là-dessus à l'entraînement, et ben c'est 150 flèches, ça va être physiquement et puis aussi intense que ma semaine, mais tout ça a commencé en une journée. Donc c'est pour ça qu'il faut un minimum de volume. Et après, toutes ces flèches, toute cette quantité-là qu'on fait tous les jours, la répétition du geste, c'est un automatisme. Passer 150-300 flèches par jour à faire la même chose, là c'est vrai que ça peut être très lassant parce que c'est monotone. On essaye d'avoir toujours la même chose, la même régularité. Mais après, on se remémore un peu ce que ça va nous apporter. Quand tu gagnes une compète et que tu montes sur la première marche et que tu as une Marseillaise, ben voilà, en fait, c'est ça qu'il faut prendre. C'est le négatif du truc monotone, mais qui est récompensé par ce qu'on va obtenir après en compète. Marc, je vois Jean-Charles continuer son geste avec la main, derrière la nuque, alors que la flèche est déjà partie. Et ben justement, parce que le tir à l'arc, c'est d'abord un geste, et un geste en mouvement. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a pas mal de paradoxes dans le tir à l'arc. C'est pas du tout être immobile, être statique, mais c'est plutôt être en mouvement. Le geste ne s'arrête pas au moment où la flèche part, le geste s'arrête quand la flèche est en cible. C'est ça la différence. On dit souvent que le tireur guide sa flèche jusqu'au bout ou pousse son viseur dans le jaune.
pour que vraiment, voilà, jusqu'au dernier moment, il accompagne le geste, il accompagne sa flèche, comme s'il faisait qu'un avec la cible. Il y a un texte d'ailleurs qui s'appelle « La volonté contre l'espérance », qui est un texte qui m'a beaucoup marqué, puisque justement, ça parle de cet objectif qui est finalement de bien tirer sa flèche plutôt que d'essayer d'atteindre la cible, puisque atteindre la cible, ça dépend pas que de nous, parce que effectivement, si à un moment il y a un coup de vent, la flèche va être déviée et pour autant on n'aura pas d'impact là-dessus. Donc voilà, je crois que ça illustre bien le fait qu'il faut rester ici et maintenant sur ce qu'on a à faire et puis pas se projeter sur le résultat ou sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc ça, on en parle assez souvent. Et puis après, il y a plein d'autres. On peut avoir quelque part une certaine philosophie de l'entraînement. Hein. Comme le fait, par exemple, que l'idéal n'existe pas. Et c'est vrai que je trouve que ça s'apparente bien au sport de haut niveau, puisque quelque part, on est toujours dans la quête de l'idéal, de la perfection. Alors que si on parle du principe que finalement cet idéal n'existe pas, eh bien, voilà, ça permet déjà plus de spontanéité, d'adaptation et d'acceptation. Pas sûr que Jean-Charles ait lu Nietzsche, mais voilà, c'est une bonne source d'inspiration. Donc là, Jean-Charles va se mettre en situation de recherche de performance. Donc le but, ça va être de faire le maximum de points. Pour y arriver, il va falloir qu'il reste concentré sur ce qu'il a à faire. Qui prennent en compte les conditions météo, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu de vent latéral tournant et surtout pas très régulier. Donc voilà, et puis c'est surtout après de la prise de décision, une fois qu'il aura fait son choix, dire voilà, là il y a un petit peu de vent, donc je vais prendre une petite marge en visant un petit peu plus à droite ou à gauche, qu'il assume cette décision jusqu'au bout. Ça veut dire que là, on est dans une situation qui limite la compétition ? Complètement. Là, c'est ce qui va se rapprocher le plus proche. Il est à 70 mètres avec sa cible. Il va tirer 6 flèches par volée, par série. Et on va faire 36 flèches comme ça. Et donc, la consigne, c'est vraiment d'être actif, d'être sur ce qu'on a à faire, mais sans chercher la petite bête, et être vraiment sur un geste fluide, souple, et surtout de bien finir son geste jusqu'au bout, jusqu'à ce que la flèche arrive en cible. Et puis cet après-midi, on repassera sur un travail de gamme. L'entraînement en général se décompose en deux séquences, avec une partie où on fait ce qu'on appelle des gammes, comme un pianiste ou un judoka ou dans plein de sports, où on travaille vraiment spécifiquement une partie du geste. En l'occurrence, pour Jean-Charles, tout ce qui est ce qu'on appelle le bras d'arc, et notamment son épaule d'arc, puisque c'est un petit peu son point faible. Ça tourne beaucoup autour de la posture et de la ligne d'épaule, le tir à l'arc. Parce qu'en fait, la ligne d'épaule, c'est la ligne de flèche, et c'est ce qui va déterminer l'impact en cible. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il se penche en arrière, la flèche va faire ça, elle va aller en haut. À l'inverse, s'il se met trop sur l'avant, elle va aller en bas. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est des mouvements latéraux, c'est-à-dire que s'il se désaxe, si à un moment, il ferme un petit peu l'angle ici, on le voit, la flèche, elle va aller à gauche. Et puis si à l'inverse, il ouvre comme ça, elle va aller à droite. Donc l'idée, c'est posé, s'ancrer au sol avec sa ligne d'épaule, et moi j'appelle ça souvent, là, c'est la ligne d'épaule, c'est la ligne de vie, c'est le plan de flèche, et c'est ce qui va faire qu'elle va aller toujours au même endroit. L'arc, une fois qu'il est réglé, si on respecte la mécanique de l'arc, la flèche, elle va toujours au même endroit. De vous voir tous les jours comme ça, il y a un rapport qui se lie, qui se tisse. Forcément. On dit souvent que voilà, il faut pas laisser place au côté
comment dirais-je, relationnel, etc. Mais quand on passe des heures par jour et des fois des semaines et des semaines de stage ou de compétition ensemble, forcément, il y a une relation particulière qui se crée. Mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup, avec le temps, on arrive à bien connaître ou à bien se connaître et du coup, voilà, savoir comment réagir quand il y a une difficulté, c'est beaucoup plus facile. Alors là-dessus, sur ces petites cibles-là, ils notent les impacts parce que ça permet d'identifier aussi le type d'erreur qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que chaque tireur, en fonction de son tir et de ses, je dirais, de ses faiblesses, eh ben, il va avoir tendance à mettre des flèches plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt en haut, plutôt en bas. Et le fait de noter les impacts nous permet, plusieurs tirs, d'identifier le type d'erreur que fait l'archer. Et ensuite, ça nous donne des pistes, soit pour travailler technique, soit pour qu'en situation de compétition, en fonction des sensations qu'il a, il soit capable d'anticiper pour faire en sorte que les flèches restent au milieu. Prends une petite marge et reste bien là-dessus surtout. Ouais, mais accepte-le parce que de toute façon il y en aura des erreurs. Donc il vaut mieux les faire comme ça que à l'agonie en étant dans le contrôle et finalement en rallongeant le temps de tir. Et tu vois, il vaut mieux qu'il y ait quelques flèches, entre guillemets, tu pêches par trop d'engagement, que de dire j'ai peur d'engager, donc je suis dans le contrôle. Et puis finalement, à la fin, c'est même plus toi qui prends la décision. Donc tu peux pas, tu y en auras forcément. Mais à force de provoquer des choses, et ben ça va se lisser. Et toi aussi, tu vas le sentir. C'est-à-dire que si tu y vas jamais dans ce registre-là, ben c'est pas en compétition que tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, tu peux aussi trouver les solutions sur des flèches comme ça, où ça va être un peu précipité, ça va aller trop vite. Plutôt que de raisonner à l'inverse. Tu vois ? Parce que mine de rien, ça en fait des 10. Hein. Alors, la difficulté dans ces conditions-là, c'est d'accepter d'être un peu moins précis. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre toutes les flèches au milieu. Mais effectivement, quand il y a un vent tournant comme ça, et ben la précision s'écarte un petit peu. Et c'est difficile pour les archers parce qu'ils ont tellement envie et l'habitude de mettre toutes les flèches au milieu, d'être capable d'accepter que la zone de réussite s'élargisse. On se compare toujours au score parfait, alors qu'on peut très bien gagner une compétition. Avec un score faible, mais parce que les conditions ont fait que c'est très compliqué. Mais dans la mentalité de l'archer, c'est pas facile. Il est plutôt dans la quête de la perfection et du score parfait. Pas le temps de cogiter là. Ouais, t'es dedans, ça, tu le fais et boum, ça part. Puis l'arc, ça va avec le dynamisme, vu que c'est dedans. C'est ça que je veux voir. Toute petite hésitation.
t'ai entendu dire, Marc, que ça, celle-là, elle est bien tirée. Oui. Et tu regardais pas dans la jumelle, dans la longue vue, le résultat. Oui. On sait qu'une flèche est bien tirée, qu'elle est entrée en cible correctement, sans voir le résultat. Alors après, oui, après, il faut encore que vraiment il l'ait visé au milieu. Mais en tout cas, dans la gestuelle dans la manière dont il a tiré sa flèche, c'est plutôt sur ce registre-là que je veux le voir faire et tirer ses flèches. Quoi. Donc je m'occupe pas du résultat quand c'est comme ça. Mais le résultat, en règle générale, si la flèche est visée au milieu, il sera bon. Vous êtes contents tous les deux d'avoir choisi ces chemins de vie ? Ah ben moi, pour ma part, je ne changerai pour rien au monde. C'est... Le tir à l'arc, ça a d'abord été une passion. J'étais archer, je suis rentré à l'INSEP ici en 91 et puis finalement, j'en suis jamais sorti. Et aujourd'hui, j'ai la chance que ce soit en même temps mon métier. Donc voilà, c'est une activité que j'aime beaucoup. Et puis au-delà de ça, après, c'est des aventures humaines qui sont extraordinaires parce qu'effectivement, on vit des situations en situation de compétition aux Jeux Olympiques, etc., où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de stress. Et voilà, c'est des accélérateurs de vie. Et puis c'est au-delà de ça vraiment des belles aventures où on repousse ses limites, on essaye de créer un collectif, d'avoir vraiment un esprit de groupe. Un objectif commun, et voilà, c'est une belle aventure humaine avant tout. Et puis effectivement, des fois, j'ai l'impression que le tir à l'arc finalement est qu'un support à tout ça. Et le sport de haut niveau aussi. La compétition. Après, ce qui est intéressant, c'est un support pour mieux se connaître, mieux s'accepter, mieux connaître les autres, apprendre à vivre ensemble et repousser ses limites. Je me suis toujours dit que dans ma vie, je ferais les choses que j'aime. Et le tir à l'arc, c'est ce que j'aime. Et le jour où ça me plaira plus, j'arrêterai. Mais après, il y a des hauts, il y a des bas, c'est sûr. Mais c'est là qu'on fait partie du sport de haut niveau. Quoi. C'est arriver à remonter. Mais non, moi, au moment, je ne changerai rien pour rien au monde de ce que je vis actuellement. Je pense que plus tard, je prendrai une orientation différente, c'est sûr. Parce que j'ai envie de voir autre chose. Je n'ai pas envie de tout le temps... J'aurais besoin, peut-être que voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, le tir à l'arc, ça me plaira plus, je voudrais plus en entendre parler, puis je ferais peut-être autre chose. Mais pour le moment, je me donne à fond là-dedans, et puis essayer d'aller jusqu'au plus haut niveau. Bon, bah, cet après-midi, les gammes. Je pense qu'il va y avoir encore un peu plus de vent.